Coucou, Lily Boucan. On dit quoi, les amis? Je vais pas parler fort, mais j'ai parlé. Hey, Ega. Coucou, Rich Love. Tu vois, non? Les amis, demain, on va jouer le voice de Ashley. Bonjour. On va jouer le voice de Ashley. Je vous avais dit ici que elle est partie dans la boutique avec Miss Marlène. Ashley m'a dit ça. Oui, bien dormi. Ashley m'a dit ça. Ah, t'as l'air, j'ai 4 nickels. Ah, merci beaucoup. Ashley m'a dit ça. Le voice là, on va jouer. Je vais couper des parties dans le voice parce que il y a des trucs qui sont un peu secrets. Et vous allez entendre Ashley parler. Elle a dit ça. Ah. Voilà. Vous voyez, tout tombe un coup. Je vois des gens qui veulent se mettre sur pour là. Hein, toi, Hugo, tu n'as pas honte. Toi, vieux, ça y est, aujourd'hui, c'est Emmanuel Keïta. Tu es devenu repère de Emmanuel Keïta sur ta page là. Tu es en train d'insulter et comment ça s'appelle? Kani, Miss Kani et Pipo là. Tu es malade. Quand tu regardes ma Miss Côte d'Ivoire, elle peut se mélanger. C'est parce qu'elle ne connaît pas sa place. C'est parce que Miss Kani ne connaît pas sa place. Elle va faire quoi une mytho? Quand on vous dit toujours que quand tu es avec un mytho, c'est un danger, c'est amusement. Quand on vous dit de vous éloigner d'un mytho, que le mytho, il vous salue, vous pensez c'est amusement. La petite était dans son coin. Elle n'a rien demandé. Quoi, Emmanuel Keïta, mon nom Emmanuel Keïta. Son nom est gros pour ne rien, c'est un tonneau vide. Elle allait s'accrocher à la petite là maintenant. Il faut la voir comme elle ment avec aisance dans son émission. Vous dites que oui, elle n'a pas dit qu'elle a habillé, comment s'appelle ça, Miss Kani, le jour de Miss Côte d'Ivoire. Quand Paula parlait, Paula faisait allusion à l'événement de Miss Côte d'Ivoire. Oui, oui, à l'événement, pas à l'élection, mais à l'événement, c'est-à-dire la robe qu'elle a portée, tout ça. Elle faisait allusion. Elle faisait allusion à ça. Mais quand elle s'assoit pour dire que non, c'est moi, qu'aujourd'hui, ça y est, la petite fille a évolué, la petite fille n'est plus Miss Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es Miss là, tu ne dépends pas de toi-même, tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. C'est comme si qui t'habille comme il veut. C'est Olivier Zia, c'est sûr qui a démarqué, qui a fait ce qu'elle voulait. Parce qu'elle est, maman elle est enfant de mère, elle est enfant de babaké. La fille, quand son mandat est fini là, elle a commencé à s'habiller. Toi, eux, Catherine, t'assois pour venir dire que oui, vous voyez son évolution, c'est grâce à moi. Toi, t'as bien comme des personnes. Émission que tu allais faire, t'as pris Rosine Yao, la plus gawasse de Yakuba. Tu allais la faire porter quoi, que c'est tellement qu'elle ne connaît pas ce style là aussi. Elle dit que je suis bien habillée, hein, pour une simple robe. Elle mange bouffant dans chaleur. Quand je suis bien habillée, pourtant, on ne voyait pas bien habillée en question. Toi, tu sais habiller l'homme. Depuis que tu as habillé Rosine Yao, tu as bien encore quelqu'un. Quand tu as fini d'habiller Rosine, puis les gens se sont moqués d'elle là, puis ils se sont moqués de toi. Tu as fait émission pour pouvoir habiller quelqu'un. Toi, tu sais habiller les gens. Tu portes quoi de bon? Tu connais quoi dans la mode? Hein? La fille se met dans son truc. Elle traverse sa tête. Elle s'habille. Tu vas venir la rabaisser pour te rendre grand que oui, c'est moi, je l'habille. C'est moi, je l'habille. Je ne sais pas trop long. Mais demain, tu es récupéré. Allez, laisse au travail. C'est un petit lait pour ta quoi. Non, c'est un peu pour en gérer mes abonnés. Hein? Tu sais t'habiller où?
Toi, si c'est pas Nadel, si c'est pas si c'est pas Maï, mère. Mère. Si c'est pas Maï, mère. Hein? Si c'est pas elle, là. Toi, tu peux t'habiller. Toi, tu as l'argent pour payer habit. Tu as l'argent pour payer habit. Hein? Toujours, tu es là, tu es dans du. Prête-moi donné. La petite va souffrir pour aller s'habiller bien. Elle va souffrir pour mettre sa vie en valeur. Tu as dit que oui, c'est moi, je l'habille. Que le changement que vous voyez derrière elle, là, c'est moi et je suis derrière son changement. Une mytho comme toi. Et vous voulez que la petite fille en a venu mentir. Une femme, une fille qui reprend la Côte d'Ivoire, qui a reprendu la Côte d'Ivoire, elle a gagné sa sorte de mentir. Parce qu'elle dit la vérité, vous voulez l'insulter. Hein? C'est-à-dire qu'on avait Emmanuel, vous montrez que quand on avait Emmanuel Keïta, il faut mentir en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire avec elle, il faut mentir. Si elle dit que non, c'est non. Si elle dit que oui, c'est oui. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade. Hein? Je ne suis pas fatiguée. Hein? C'est le soleil là. Ici, ce n'est pas bon. Je ne suis pas fatiguée. Hein? J'ai bien dormi hier. Hier, Myriam John, j'ai bien dormi hier. Hier, je suis allée me coucher pendant que tout ça me s'est passé, mais je n'ai rien vu dedans. J'ai dormi vite hier. C'est là où je suis assise là. Tu as vu, non, le portable est un peu flou d'une manière. Voilà, donc c'est ici que je vais m'asseoir. Puis il y a le soleil d'une manière. Voilà. Sinon, je ne suis pas fatiguée. C'est le portable qui fait ça. Quand j'ai fait live ce soir, tu vas me voir bien. Quand il sera à la maison, quand il fait live, tu vas bien voir. Voilà. Sinon, je ne suis pas fatiguée. Hier, ce moment, j'ai bien dormi. Hier, tellement que j'ai bien dormi, je me suis réveillée à 5h du matin. Voilà pourquoi vous avez vu mes postes très tôt le matin. Parce que je partais au travail à 8h. Donc, du coup, je me suis créé, j'ai vite dormi. Donc, du coup, je me suis réveillé à 5h. Voilà. Hein? C'est comme aimant, là. Les jeunes n'ont qu'à mentir aussi. C'est comme aimant. Et puis, tu dis, non, hein? C'est une vérité. Non, c'est pas ça. Hein? Voilà ce qu'elle fait, là. C'est fini. On va allumer la personne parce que la personne dit la vérité. On est dans un monde. Tu sais, Emmanuel, qui est à moi, on doit mentir. Elle est qui? Elle peut quoi pour qui? Elle est quoi? Hein? Elle est quoi? Et puis, on va mentir à chaque fois pour elle. Elle est quoi? Et puis, on va mentir pour elle. Et puis quand on ment, vous venez dire pourquoi que c'est la vérité. Vous-même, là, vous les moutons, là, quand vous prenez les captures que vous montrez, vous êtes malade. Ça va dans votre tête. La petite fille allait payer, elle allait là. Ça, là quand j'ai joué le voice demain, là, puis les gens vont bien comprendre. Hein? Eh oui, que j'ai vachement fui. Elle a fermé ses comptes. Demain, elle vient dire que non. Et mais Facebook m'a bloqué. Ou même si elle a signé, c'est comme ça qu'elle fait. Elle a un compte où elle a un faux profil là. Tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle insulte les gens. Quand elle dit, ah, elle dit non, c'est moi, elle l'a signalé. Elle va dire qu'elle est dans le. Elle allait faire, mais elle a fui comme ça, c'est mensonge. C'est tellement dosé sur elle. Elle n'a pas venu vous dire, ici que truc n'a pas été convoqué, que c'est faux. Hein? Côte dessus, sûr. Si elle est femme, si elle est femme, là, elle n'a qu'à faire poste. Voilà Bob, elle dit qu'elle fait poste, non. Si les femmes n'ont qu'à parler, ils l'ont garant. Ils vous disent qu'ils l'ont garant là-bas. Ils l'ont garant. Est-ce que c'est fait erreur, là? Une plainte peut tomber sur elle. Si elle s'assoit. Si les femmes, elle n'a qu'à mettre ça, parce que oui, j'ai enfermé les deux filles là. Les filles là vont nous porter plainte au aller-retour. Il n'y a pas forcément que vous dites ça. Les filles là ne sont pas dans la fête de Facebook. Fatou est une fille mariée, puis elle est nourrice. Mm-hmm. C'est moi, mais j'envoie Fatou dans Facebook ici. Sinon, Fatou n'est pas dans la fête de Facebook. C'est moi, j'envoie Fatou dans Facebook. Ashley aussi là, elle a un travail important. C'est moi, si on a de jouer les voix de H, parce qu'il y a trop de vérité dedans. Donc, je ne peux pas laisser. Sinon, depuis même, il y a un grand de H, le même, c'est parce que c'est un de ses parents qui m'a appelé. Les parents des filles m'ont appelé. Pour me dire pardon, que d'arrêter. Mais il y a trop de vérité dedans. Je ne peux pas laisser, c'est pour ça. Elles sont pas sur Facebook. Voilà. Parce qu'ils appellent, moi, je n'en ai pas leur numéro. Donc, elles m'ont dit, ça soit pour dire, oui, on n'est pas en prison. Si elle est femme, qui a quoi en bas d'un encas écrit pour dire que j'ai enfermé deux filles, elle va voir. Elle n'a pas cœur de ça. Le commissaire l'a bien lavé. Voilà. Le commissaire les a bien lavés. Myriam John, c'est ta mère puis ton père qu'ils ont enfermé. T'as compris? C'est ta mère puis ton père qu'ils ont enfermé. Quand ils ont fini là, Bob plaisir, les deux filles, elles sont rentrées toutes ensemble à la maison. Parce que c'était les trois plus elles étaient assises là. Le commissaire l'a bien lavé. Voilà. C'est les femmes, pourquoi elle ne veut pas dire? Voilà Kedjenu qui a fermé ses pages, non? Et vous voyez Kedjenu depuis ce matin. Je me suis réveillé matin, je vois qu'on l'attaquait, elle faisait bruit. Est-ce qu'elle a dormi deux jours? Deux jours, elle va aller créer encore une autre page pour dire, ah, Facebook m'a bloqué, ou bien j'enseigne ma banane, elle va venir mentir ici. Donc, bref, tu avais tout ton. Donc, toi, Hugo, là, si tu allais manger dans brunch, et puis c'est encore dans ton ventre, là, et puis tu veux te défendre, là, faut laisser la miss la paix. La miss n'est pas camarade d'Emmanuel Keïta. La miss, elle n'est pas camarade d'Emmanuel Keïta. Si Emmanuel Keïta passe son temps à mentir, à mitonner,
pour se rendre grande. Kani n'a pas besoin de ça. Voilà. Kani n'a pas besoin de ça. Allez, il faut l'apprendre. Vous devez continuer à mentir. Parce qu'elle a dit la vérité, vous voulez en vouloir. Et vous en voulez à Paula par rapport à quoi? Parce que Paula a dit la vérité. Les questions que Paula pose, est-ce que Paula, Paula pose question? C'est Béret, non? Est-ce aujourd'hui qu'on pose les questions de ce genre à la télévision? On a dit pourquoi? Hein? Ces questions? Hein? Quand elle-même Emmanuel qui était, puis elle s'assoit pour parler des gens, parler de leur physique sur sa page. Vous n'avez pas des émissions. Vous n'avez pas des émissions. Pourquoi pour elle, au début, vous faites bruit pour ça? Jean, elle est intouchable. Maintenant, vous devez toucher les autres. Vous avez menti. Pour les autres, au moins, ça, c'est habillement. C'est vrai que ça soit pour mentir qu'ils ne sont pas stylés. Mieux vaut ne pas stylé que d'être mytho comme elle. Parce qu'elle est malade mentalement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va, on va sur la plateau et on demande quelque chose. C'est quand, si vous posez question aux invités, là, c'est gâté sur elle. Hein? Avec toute la honte qui va avec, elle vient s'expliquer. Non, oui, je sais où aller. Je sais où aller pour me plaindre. Non, avec Paula, nani, nanana. N'importe quoi, tu te plains où? Mytho, quand tu insultes les gens sur ta chaîne, les gens parlent. Les gens parlent, tu sais pas que c'est une émission. Comme tu les taquines. Tu sais pas que tu les taquines. Tous sont des taquines aussi. On vous taquine, vous vous insultez. Depuis ce matin, la moutonnante en train d'insulter la pauvre petite Miss. Hein? Parce qu'elle taquine Emmanuel Keïta. Parce qu'elle a dit la vérité. Donc, quand on avait vous montré pas la vérité, vous sortez des captures qui n'ont pas de sens. Des captures qui sont non sens. La fille allait, et qu'elle a blagué pour dire, ah, viens t'asseoir, viens, allons dans ma boutique. C'était en novembre. Hein. Afin que je vous parle, c'est en novembre. C'est même pas, je sais pas avant qu'elle allait. C'est en novembre 2022 qu'elle allait dans la boutique avec Emmanuel Keïta. Et qu'elle lui a fait croire que rituel mot sa boutique. Il vous dit que rituel on la connaît pas trop comme ça. C'est moi, j'ai mis le papa là dehors. C'est tout ça même qui a joué dans la tête des marins pour dire, ah, donc elle mentait. Voilà pourquoi il veut que je me taise. Il veut que je me taise. Parce que quand je parle, les gens savent que c'est la vérité. Quand tu me regardes, tu veux me regarder, tu sais que c'est la vérité. C'est depuis novembre. Elle allait faire vente privée à Bijan. Demain, elle allait tout vous faire sortir. Même vendre, vous faites ça tout. Et puis elle allait là-bas, elle allait avec la Miss. C'est comme ça, elle a dit, ah, allons, je vais te donner, dans 5 minutes, je vais couper les lives. C'est comme ça, elle a dit, ah, allons, je vais, comment on appelle ça, commander les habits et je vais prendre, tu vas prendre habits dans ma boutique pour faire ma pub. Et arrivé là-bas, elle dit à Ashley que la Miss veut venir, la Miss est venue payer habits. Donc, moi, il pensait qu'ils sont venus payer habits, tout ça là-bas, la Miss est venue payer habits. C'est comme ça qu'elle a donné habit à la pauvre fille. La petite prend habit, ça a partie des masques qu'elle a porté habit, masque 2023 là. Qu'elle a fait, puis elle a tagué Emmanuel Keïta. Elle a mis rituel mode Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta, c'est sa boutique. Oui, oui, parce que Emmanuel Keïta, c'est sa, comme c'est sa bonne vieille mère. Donc elle s'est dit que bon, je fais la pub gratuitement. Ça a mis Miss Malène à aller faire pub d'une autre dame sans s'en rendre compte. C'est comme ça que rituel mode a pris la photo de la petite fille pour mettre pour dire ah, les stages, les reines s'habillent chez moi. Voilà la maman que Emmanuel Keïta fait. Duper la pauvre petite fille. C'est ce genre de capture que vous prenez pour me dire que oui, voilà, elle est habillée, voilà. Tout, montrez autre capture encore. Montrez des vêtements où elle allait prendre la boutique d'Emmanuel Keïta. Donc vous, donc au Dieu, quand ça vous arrange, c'est que c'est la boutique d'Emmanuel Keïta. Quand on vous dit que vous c'est que c'est pour Mike, vous dites que c'est faux. Maintenant, quand ça vous arrange, vous dites que non, boutique Ritamo, c'est pour Emmanuel Keïta. Heureusement que Mike m'a dit que boutique, c'est pas pour elle, non. Que Ritamo, c'est pas pour elle. Donc elle s'accapare des boutiques des gens. Donc les amis, c'est pas habillement, hein. Elle allait prendre l'appétit pour faire publicité de sa boutique Ritual Mood. Pour qu'en plus, elle les stars s'habillent là-bas. En plus d'elle là, parce qu'il y a Ozoa de Tunis et puis elle qui font la pub de la dame sur internet ici. Ce sont les deux. C'est comme ça qu'elle allait saouler la petite fille pour que la petite fille puisse faire, comment on appelle ça? Elle puisse faire pub, sa pub. Et la petite fille pensait que c'était pour elle la boutique en question. Pourtant, c'est pas pour elle. Voilà. Hein? Vous comprenez? Voilà comment ça s'est passé. La petite fille, elle était bleue dans le film. Et parce qu'elle a dit, non, elle n'est derrière aucun changement. Elle est loin de tout ça. Ça vous fait mal. Allez mentir encore. Il a dit, une à une, vos mensonges vont sortir. Et puis, Emmanuel Keïta, tu as envoyé, tu as sali en Europe ici, puis tu es parti à Bilan. Tu as sali encore là-bas. Même pas un an. Il y a ton visage, tout le monde en train de découvrir ton visage comme ça. Même pas un an. Tu as dégoûté le milieu du showbiz ivoirien. Oui, oui. Et ton plus grand buzz qui va arriver, c'est Daisy. Daisy, tu la connais. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis, elle n'a peur de rien. De la manière que tu accroches à elle parce que elle te fait les prêtements. Prête-moi. Tu as peur qu'on parle de Daisy. Daisy te fait les prêtements pour l'instant. Si Daisy te quitte là, c'est fini. Tu veux les racines de Daisy. Mais il te dit en même temps, si tu fais erreur, c'est Daisy. Daisy va t'allumer sans état d'âme parce qu'elle n'a rien à péter. Elle s'en fout.
Donc là où tu es parti là, hey, toi où tu es assise là, tu es une mytho. Partout où tu passes, tu gâtes. Partout où tu vas, tu gâtes. Partout où tu vas, tu gâtes. Pour dès qu'il va arriver un matin, bonheur. On a assis, non. C'est pas ici, on est assis pour dire, ah, pour le va arriver. Vous avez dit que non, c'est l'amour fort. Le a dit non, c'est l'amour fort. Que oui, que moi j'ai envie sa place. Elle dit que oui, moi c'est Livia, moi j'ai envie sa place. Place que moi, mais il a laissé, puis il a couru là. Elle dit que moi, mais j'ai envie sa place. Aujourd'hui, elle fait un coup de, elle fait un coup de mythomanie. Jusqu'à dire que quand tu vois un mythomanie, il faut fuir. Quand moi, je fuyais là, elle n'a pas demandé, hein, elle n'a pas de meilleur conseil. Hein. Elle dit que j'ai envie la place là. Non, aujourd'hui, là, elle dit que quand tu vois un mythomanie, il faut courir, il faut le fuir. Jusqu'à dire non. Elle, elle ne casse pas papa. Elle va faire un coup de mythomanie. Ah, moi, elle dit, je vais la fesser par terre. Donc, chacun a pour lui. Quand Daisy va te récupérer là, elle ne va pas te rater. Daisy ne va pas t'arrêter. Et puis elle sait parler français, elle sait expliquer les choses. Tu comprends? Et puis elle s'en fout. Abidjan où tu es là-bas, quand ils vont voir ton vrai visage, tu as couru par le Burkina. Tu as couru après par le Mali. Ça y est, tu as couru pour partir après. Mytho que tu sois. Il y a la honte inversée sur toi comme ça. Tu sors ta petite. Et puis tu sors toujours pour t'expliquer. Il y a depuis deux jours, tu ne dors pas. Depuis une semaine, tu ne dors pas. Et on a assis sur toi. Tu as vu, non? Depuis qu'il a testé de te bamougou là, tout sort comme ça sur toi. Les caméras sont sur toi. Tu es dans du n'importe quoi. Tu es dans du n'importe quoi. La honte de ça. Bon, les amis, c'est un petit truc que j'ai fait pour l'instant. Je vais reprendre mon boulot. On se dit à demain. Je dis bien, on se dit à demain pour le live. Quand j'ai quitté au travail, je finis à 21h, mais je ferai l'effort demain à 22h. Parce que je vais arriver chez moi à 21h20 ou même 21h30 par là. Et je vais arriver là. Quand j'enlève Abby là, je place la caméra en même temps. Quand on finit une heure de live là, il me jogue, puis il dort. Propre. Donc on se dit à demain. Voilà, le soir là, quand je vais arriver là, je vais dormir un peu tranquillement parce qu'il a là, je suis en train de faire tout. Donc voilà. Donc là, là. Aïe, c'est demain on fait le live là. C'est demain on fait le live des voices de Ashley. Demain on fait le voice live de Ashley. Il a travaillé, les amis.